Le style, je suis créatif fois 1000. La créativité fois 1000. Il aurait pu mettre une carpe, un ours. Vas-y, je suis tellement créatif, je mets plein de trucs qui n'ont rien à voir. Alors, The Rope, voilà, parce qu'on n'a pas le temps de lire les traductions, bande d'enfoirés. Along with the stick. Putain, mais pas le temps de lire, un jour, ok. Il y eut une explosion. Un souffle qui créa le temps et l'espace. Un jour, il y eut une explosion. Un souffle qui propulsa une planète dans cet espace. Un jour, il y eut une explosion. Tu radotes. Un souffle qui donna naissance à la vie que l'on connaît. Ah non, c'est différent. Et puis, arriva une autre explosion. C'était mon slip. Oh! Et ouais, mon gars, c'est magnifique. C'est magnifique, les photos de vacances d'Hideo Kojima dans un jeu vidéo. Oh! Est-ce que c'est de la 3D? Est-ce que c'est de la 2D? Est-ce que c'est de la 4D? On ne sait plus. C'est quoi la 4D déjà? Ah, c'est de la 3D. Jess Corti. Oh putain. Est-ce qu'on entend bien le jeu? Je pense que oui. Bienvenue en Écosse. Oh, il se fait les cheveux blancs. Les designs sont très cool. Attention, Léon. Putain, les paysages sont cool. Pourquoi ça lague un peu là, alors que là je suis bien? Mais oui, il y a des petits lags parce que le pros il chauffe et quand il est à 80 degrés, et ben il y a des drops, il y a des lags. Ah, génial! Ah non, fais chier!
Ah, et là, du coup, on démarre là. Récupérez vos marchandises et vous abritez de la pluie, s'il vous plaît. D'accord. Donc on avance comme ça. Ok, c'est très joli. C'est très joli. Il y a même des gouttes d'eau. Saisir de la main gauche, saisir de la main droite, porter sur le dos. 17 kilos. Livraison de nootropes. Putain, on a pas le temps. Je voudrais avoir le temps de découvrir un peu ce que vous êtes en train de me dire. Hein, parce que j'ai peut-être vu le let's play de Vadine. Mais c'était il y a une paye. Ok, c'est très joli. Appuyez sur A pour scanner. Oh, les pixels! Scanner de marchandises. L'Odradek peut scanner l'étiquette des marchandises. À chaque caisse de marchandises est attachée une étiquette! Une étiquette. Ah, d'accord. Ah, mais c'est pas tout. D'accord, faut appuyer à chaque fois. C'est vrai. Ok, là par contre, le texte, vous pouvez le virer. C'est bon, on l'a lu, ok. Wow, wow, wow. Une animation. La mousse. Les textures. Non mais, et c'est même pas de la texture. Là, c'est de la vraie herbe. Ça, c'est quand même fou, quoi. Là, c'est Star Fox Adventure x 100. Moi, je veux ce jeu sur ma GameCube. Grimper. Ah bah là on voit mieux déjà. Ah ok, ma marchandise elle est là. Marchandise clé pour la commande livraison de nootropes localisée. Ok. Ok, mon max c'est 120 et là je suis à 18 kilos. Le mec il peut porter 120 kilos comme ça sans se fatiguer. Dans vos déplacements, vous trouvez parfois des marchandises abandonnées résultant de livraisons non honorées. Non honorées. Livrer ces marchandises en bon état, je n'arrive plus à le lire, à leur destinataire d'origine améliorera grandement votre réputation. C'est d'accord. Alors attends. Parce que j'ai peut-être fait tomber d'autres caisses là. Non. C'est génial. Moi je le trouve génial comme jeu. Cette exploration. J'avais fait tomber que deux caisses. J'avais pas plus. Ville relais centrale 42 mètres. Il peut sauter avec 20 kilos sur le dos. Je peux attendre que la pluie s'arrête là-bas. Non, non, donne-moi, laisse-moi le choix. Salut Gojiro Roji. Les poils. Des marcheurs. Pourquoi ça scintille le truc là? C'est parce que c'est mes réglages, c'est ça? Pourtant j'ai tout mis à fond là. Aïe aïe aïe, l'eau ça mouille. Oh là là, mais rase-toi ma poule, c'est pas très propre là.
Les poils se hérissent. Les poils en 8K. J'ai les poils de la moustache qui viennent de se relever là. Un débile! Et tu me soigneras cette vilaine peau, ok? Tu as des boutons. Qui êtes-vous? Je sens votre parfum. Apparemment, il y a des enfants qui ont fait de la peinture. Qui mettent leurs traces de doigts partout. Ils ont mis la main dans la colle. C'est ça, hein? Pour survivre, nous devons arrêter de respirer. T'as les effets de sable et tout. C'est très joli. Sable noir. D'Islande. Des monstres par ici. Il y a des aliens. C'est très... Il y a une ambiance, il y a un petit côté Half-Life que moi j'aime bien, j'aime beaucoup. Dans le ciel. Ah non, c'est pas un titre. D'accord, c'est des silhouettes. C'est comme si nous étions dans un jeu vidéo. Là, il pleure. Alors ça, voilà. Alors ça, c'est la créativité japonaise. On met des gros plans de gens qui pleurent, on ne sait pourquoi. C'est un scénario. Ah, c'est... Il y a de l'émotion. On sait pas laquelle. Qu'est-ce qui vous prend? J'ai serré trop fort, désolé. Vos yeux... Ah, on est baisé? J'ai rien senti. Virale. Alors, vous avez le Dooms, comme moi. Ouais, j'étais chargé Doom Eternal. J'ai le facteur d'extinction. Quel est votre niveau? Oh bah j'ai fini le jeu. Non, mais je peux les sentir. Niveau 2, alors? Bah non. J'ai fini le jeu. J'essaie de rester au sec. Tout comme vous. Plus de précipitations. Je m'appelle Fragile. Ah bah merci, j'avais deviné. Je sais qui vous êtes. Tiens donc. Sam Porter Bridges, c'est ça? C'est ça? C'est vous, l'homme des livraisons? Oui, il n'y a que moi. Je suis le postman. Et vous, vous aimez le cuir, apparemment. Et moi, j'ai les moustaches. Oh, une petite larve, c'est trop mignon. Une larve qui flotte.
les cryptobiotes, le meilleur remède aux précipitations. Oh, cette scène a coûté $1 million. Venez travailler pour moi. Ça doit être un peu compliqué tout seul. Ouais, j'aurais jamais cru que Fragile Express manquait de bras. Cabelto à part. Il ne reste plus grand chose de nous, tout juste quelques gens honnêtes. Et pour couronner le tout, il ne reste pas grand chose. Oh, mais t'es vieille en fait! Tout mon corps a été exposé. Là, je peux rien faire pour vous. Ah, ouf! N'en dis pas plus. Bon, il faut que j'y aille du coup. C'est tout. Un message du central de Bridges. Livreur indépendant Sam Porter Bridges. Destinataire en attente de colis. Vous vous rendez en ville ? Waouh, ton parapluie est trop stylé. Ça n'arrête pas la pluie, mais il est joli. Faites attention. Ils ne disparaissent jamais bien longtemps. Waouh, la vache ! Du papier. C'est étrange. Même si les précipitations font vieillir tout ce qu'elles touchent, elles ne peuvent pas tout faire disparaître. Le passé nous rattrape toujours. Donc, l'eau mouille et fait vieillir. Sam Porter Bridges. Oh, je viens de me prendre 800 kilos de créativité dans la gueule! Je vais avoir des cocards après avoir joué à ce jeu. Eh ben c'est bien. Eh ben je vais rester une nuit de plus. Alors il y a des halos partout. Alors je sais qu'on aurait dû aussi jouer à Halo 3, mais là il y a du halo partout. Je sens d'énergie. La barre rouge est appelée jauge de sang. Barre bleue et jauge d'énergie. Ok. Sam mourra si elle atteint 0. Ok, jauge d'énergie, c'est l'endurance quelque part. Ok, c'est bon, tu peux partir. Dégage. C'est bon. Oula, arrête-toi. Oh putain, ouais, j'avoue. Ah ouais. C'est bien foutu ça. Et du coup, il descend tout seul. Oh, avec cette petite musique. Oh, j'ai envie de sortir les sandwichs. Mais c'est trop bien, il s'arrête pas. Mais c'est trop bien. Ça considère la descente de pente comme dans la vraie vie. C'est un jeu de la vraie vie. Ville relais, et il y avait un autre truc par là-bas. Attends, j'ai pas scanné la grotte. Est-ce qu'on peut courir ? Oui. Ah oui, et avec la souris, clic gauche, clic droit, on se tient les sangles. Ouais, faudrait que je fasse gaffe quand j'ai plus de poids, effectivement. Ouais, faudrait que je scanne là. Il y a un truc là, non ? Ah ah, marchandise perdue, putain j'ai bien fait. Ok ça va, je suis large. Il faut tout le temps scanner. Attends, il y a un truc bleu là. Un truc bleu qui se réduit petit à petit. Ah ok, manger les machins. Ah mais ok. Ils sont partis. Non ! Revenez ! Bon, très bien. Eh bien moi j'aime beaucoup. Je le trouve très sympa pour l'instant.
Et c'est ça que j'aime bien dans le jeu. Même si j'avais pas encore joué, je le savais. C'est qu'il est novateur. Voilà, c'est ça qui est bien. C'est ça qu'on a besoin aujourd'hui, c'est d'avoir des jeux vidéo qui proposent autre chose. Même si ça peut être un peu bizarre, mais voilà, c'est comme ça à chaque fois quand il y a un nouveau jeu qui sort et qui propose quelque chose, bah, ça peut paraître bizarre au premier abord. Mais là, c'est super intéressant. J'espère que le son du jeu d'ailleurs n'est pas trop fort. Vous me dites hein, si le son est trop fort par rapport à ma voix par exemple. Oh putain, il galère pour traverser le petit cours d'eau. Ok, il y a une ville là-bas. Ah d'accord, tous les trucs que je scanne là, c'est des colis. Il faut tout le temps scanner. Je sais ramasser ça. Hein. Et je vais juste voir si je peux pas rajouter un petit peu plus de graphisme. Bon, ça je laisse comme ça. Résolution des ombres, je vais monter, je vais mettre en moyen. Ça je vais mettre oui, et je vais mettre les reflets, tiens. Et je vais mettre ça, et je vais tout mettre, et je vais mettre la profondeur de champ. Voilà, voyons voir. Ouais, ça tient là. Ouais, la différence est pas folle. Ah, mais là, il y a de la réflexion. Bon, c'est du screen space, mais c'est pas grave. Gardez l'équilibre en traversant une rivière. Lorsque vous maintenez votre équilibre, vous serez en mesure de résister au courant. J'ai de l'électricité. Ok, il y a... Ah, il y a les petites merdes, là. Bon, enlevez le tuto, là. Ça reste trop longtemps. Oh, 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 8 bijoux. Ah, merde, j'ai encore loupé les verres. S'il vous plaît, je voudrais manger les verres. Attends, je vais passer par là. Ah, franchement, il est joli, hein. Il est très joli. Alors, voyons voir. Est-ce que je peux encore booster des trucs? Je pense que je peux. Voilà, si je mets ça comme ça. Confirmé. Voilà, on va booster au fur et à mesure. Ok, pour l'instant, ça tient toujours. Je suis à 74. Tout va bien. Ah, y a un truc là. C'est un peu le Assassin's Creed japonais. C'est l'UF Pieta. Wow, wow. Ah ouais, non, là, je vais tomber. Ok. Mais merde. Oh, attends, il va tomber là. Passage safe là. Bon, franchement, la liberté elle est cool. Hein. Il y a une bonne petite liberté.
On peut descendre des marches. Et on peut se péter la gueule. Ok, là ça m'a l'air un peu loin. Et j'avais vu Dova galérer sur ce passage. Donc on va essayer de trouver un passage. Un endroit où il n'y a pas trop de flotte. Et de courant. Mais c'est trop bien. Moi j'adore, je trouve ça génial. On voit même les bulles. Wow. Oh putain. Ouh. Oh. Cup of tea. Ah, il y a une touche pour marcher quand même. Ok. Ok, là ça va. Rien d'autre dans le coin. Putain, il y a encore un truc là-haut. Il faut farmer. C'est Assassin's Creed. Il faut récupérer les drapeaux. Attends, les escaliers là. C'est lui avec courage, Shinomiya. Il y a du stuff partout. Ça va être interminable. Mais c'est ça qui est bien. Je vais faire 800 heures de jeu. Je vais faire toutes les quêtes secondaires tertiaires. La totale. Rien que toi, toi-même et moi. Hein ? Quoi ? Il se parle à lui-même ? Ah, Ezikon en bas, je sais pas à quoi ça sert. Attends, un. Enlever. Ah, attends. Se préparer. Je me concentre pour uriner. Ah, attends. Zip. Oh oui, il faut tourner la caméra, là. Ah ouais, mais j'ai rien, j'ai aucune contenance là. Là je suis petit zizi là. 3. Gourde. Alors votre gourde se remplit automatiquement. Les précipitations ou toute autre source d'eau qui entre en contact avec la gourde est absorbée et filtrée afin de la rendre propre à la consommation. Ouh. Oui, parce que si la flotte rend vieux et que tu bois la flotte, c'est un peu la mort. Ah, on peut mettre des lunettes. Paire de lunettes de soleil particulièrement appréciée de Sam, fortement inspirée de l'Homo Ludens, afin de toujours nous rappeler le joueur qui sommeille en nous. Évidemment. Ok, bah vas-y. Attends, portée. Voilà. Et eh ben voilà. Ouais. Ouais. C'est... Ok, on va les enlever. C'est très... Attends, laisse-moi faire. Je... Voilà. Je vais te guider... sur la voie du prêt-à-porter. C'est trop de marchandises à avoir, à la fois, risque de vous faire perdre l'équilibre. Si vous commencez à porter à gauche ou à droite, votez au centre. Wow. Oh. 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 Aïe. Ouais, mais je vais à la salle tous les jours. Oh là là, la mousse. La mousse, les mecs. Il y a de la mousse. Courir, s'arrêter de courir. Si vous portez trop de marchandises, vous risquez du 1. Essayez d'utiliser E pour vous délester de certaines marchandises et alléger votre charge. Ah bah non, je me suis fait chier à les récupérer, c'est pas pour les larguer.
Et ça a l'air d'être derrière les cailloux. C'est derrière les cailloux. On recommence encore et encore. Oula, oula, oh putain, ça commence à faire là. Ok. Lancement du scan. Marchandise confirmée. Merci. Ah putain. Je suis à 75 kilos. Je porte une personne. Si vous ignorez où vous allez, appuyez sur icône bizarre ou icône encore bizarre tout en maintenant la touche G enfoncée pour afficher votre destination. Attends, c'est ça, hein. Oui, bah c'est ça. Je sais où je vais. Attends, qu'est-ce qui se passe, là? Ah oui, c'est la molette. Ok. Ok. Attends, il y a des véhicules, là. On peut prendre les véhicules. Attends-moi. Pas les prendre. Ah, les roues sont bloquées, d'accord, ok. Merde, je peux pas sortir. Je suis tellement chargé. Ça couine, ça grince. Oula. Je préfère attendre un peu. Mais de quoi tu parles? Je te demande rien. Ça sert bien de prendre un petit véhicule là. Centre de livraison. Nous y sommes. Alors, maintenir enfoncé. Alors, faire une livraison. 76 kilos, ok. Livrer la marchandise demandée. Livraison de nootrope. Ok. Ok. Bon samaritain. Qu'est-ce qui vous a pris si longtemps? La légende n'est jamais en retard d'habitude. Foutu tempête, j'ai perdu ma bécane. Bah, je viens de démarrer le jeu. On dirait que vous avez vu l'enfer. Non, j'ai vu une femme. Mais bon, c'est pareil. Est en parfait état. Bon, vous nous avez fait attendre, mais tout le reste a l'air parfaitement en ordre. Alors, excellent. On attend votre prochaine livraison. Okay. Vous sortez de prison? Vous venez de vous faire arrêter ou quoi? Il se passe plein de choses à l'image. T'as le temps de rien lire, de rien comprendre. Oh putain, et j'ai fait 2 km à pied? La vache. Awesome. Évaluation générale, awesome. Plus... Profession livreur. Ok, succès déverrouillé. Ok. Suite. Marchandise perdue. Ok, ça c'est les trucs aléatoires que j'ai récupérés par terre, déposés par des randoms. Matériaux d'essai, outils, pack de rations. 42. La réponse.
Disque de données. 42, c'est... Provision d'urgence. Ok, là je passe pas, hein. Je veux voir un peu ce que c'est que toutes ces, tous ces trucs. Ok. Ok, j'ai des likes. Alors ça j'ai pas compris. Déjà quand je regardais le let's play de Dova, je comprenais pas. Je comprends pas qu'on ait des likes. Quel est le rapport? Est-ce qu'on fait ça en stream? Umbrella Corporation. Like reçu pour vos actions. Ok. Ah, je suis... Putain, je suis déjà niveau 6. J'ai passé 6 niveaux en 2 km. Et même pas croisé un ennemi. Commande spéciale pour Dark Porter Bridges, priorité 1. Oh. Oui, je le rappellerai. T'as Hideo Kojima qui apparaît de temps en temps comme ça, tout le long du jeu. Oh, mais c'est mignon comme voiture ça. Ça va, vous êtes pas trop bas? Igor, incinérateur mortuaire de Bridges. Sam Porter, je présume? Ouais. C'est vrai. Vous n'êtes pas vraiment du genre tactile, il paraît. Les documents disaient que vous aviez une sorte de phobie. Incinérateur mortuaire de Bridges? Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, j'ai pas de temps à perdre, je vous explique en chemin. Allez, venez. Ah, j'avais vu cette cinématique, c'est trop bien. Venez jeter un œil. Le gars a rendez-vous avec l'incinérateur. À quand remonte la mort? On connaît pas l'heure exacte du décès, mais à vue de nez, je dirais que ça fait plus de 40 heures. Et on l'a pas mis en quarantaine? Il était pas malade, le gars s'est suicidé. C'est pas vrai. On a de la chance. On n'aurait pu jamais le trouver. On l'a tout de suite mis sur la glace, mais qui sait quand il va se nécroser? Où est-ce que vous l'emmenez? L'incinérateur le plus proche est au nord. Il grouille d'échouer votre itinéraire. Vous pouvez pas en prendre un autre? Ça m'arrangerait, mais je vais pas avoir le temps, moi. T'as les animations de visage sont vachement cool. Vous brûlez ce pauvre gars ici. Pour balancer le kyralium dans l'air juste à côté de la ville, ça va pas à la tête. Ça vaut mieux que d'essayer d'atteindre l'incinérateur, en tout cas. Vous savez, je crois qu'on peut y arriver. On a juste besoin de quelqu'un comme vous qui a le Dooms. Bah oui, putain, mais... Personne... Y'a que moi qui ai acheté le jeu Doom Eternal? Y'a du magnétisme. Il est déjà dans les premières phases de la nécrose. Il va falloir faire vite avant qu'il soit trop tard. Alors, vous êtes partant? On peut compter sur vous? Vous êtes officiellement lié par contrat à Bridges, Sam Porter. C'est Sam. Appelez-moi Sam. Sam, je peux pas repérer les échoués. Juste les sentir. C'est pour ça que je suis venu avec ça. Un brise-broyeur. Avec son aide et la vôtre, on devrait pouvoir garder une longueur d'avance sur eux. Un petit bébé. Il emmène son bébé avec lui. Toujours que ça me mette dans un état pas possible. Ouais, mais... Oh, ça le fait pleurer. Côté, ça aussi, c'est flippant. Il dort. Allez, dans sa pisse. Ok, la boîte s'appelle Bridges, non? C'est ça? Alors pourquoi ils mettent ça? Pourquoi ils surélèvent le véhicule quand il roule? Ça c'est bizarre. Hideo Kojima. Le petit spam. Voilà, c'est quand même produit, designé
Quand tu regardes la fiche Wikipédia du jeu, c'est Hideo Kojima, il est partout. Hein. C'est même lui qui a écrit la fiche Wikipédia. Le monde était tellement différent quand j'étais gamin. L'Amérique, c'était un pays. On pouvait tous aller où ça nous chantait, sans se poser de questions. On n'avait pas de messagers, pas besoin. Il y avait des autoroutes, des avions aussi. Putain, c'était même possible d'aller dans d'autres pays. Mais non. C'est difficile à croire maintenant. Attends, pour zoomer, c'est quoi? Mais bon, ça se voit bien que le Death Stranding a absolument tout dévasté. Presque toute notre civilisation a disparu. Quant à ceux qui ont eu l'immense chance de survivre, ils se sont fait avoir par les précipitations. Et puis ces horreurs de la grève sont apparues. C'est alors ah, la grève. Le vivant s'est intimement mêlé à celui des morts. Les horreurs des grévistes. À partir de ce moment, les gens ont commencé à se planquer dans les villes. Et les messagers comme vous, Sam, ont raflé tous les honneurs. Oh, je me souviens, quand des milliers de grévistes étaient tombés. Un arc-en-ciel. Attention, quelque chose de beau arrive. L'incinérateur, il est prêt à se transformer. Fais chier. Va falloir qu'on passe entre les échoués. Ouh, ça va faire mal. Ouh, ça va faire mal. C'est stylé. C'est stylé. C'est comme si on était un troisième personnage. C'est très original d'ailleurs d'avoir un point de vue caméra comme ça. C'est la vue subjective mais sans l'être. Qu'est-ce qui se passe ? Putain. Attention, il y a une coulée là. Trop près de ces saloperies. Sortez-nous de là. Sam, vous voyez quelque chose? Non. Que dalle. Ouais. L'eau, ça va. Il marche plus, bébé. C'est pas possible autrement. C'est pas le 8? Le BB-8! Hop! Ben c'est trop bien! Oh là là, 3 milliards de budget! Et on voit pas un seul monstre! La nature reprend ses droits. Encore des mains d'enfant. C'est ça. Des coloristes. Ils ne peignent que en noir. Les animations. Après c'est bizarre quoi ce véhicule. Après je suppose que c'est pour se surélever par rapport à la flotte, je suppose. Et il va se mouiller là. Il est mouillé là, il est huileux de partout. Oh! Salut Shinesu. Sam! Tiens-moi et arrête de respirer.
Sam, j'ai mon truc bizarre qui clignote et j'ai pas compris, j'ai pas la notice. Tu putes la gueule. Ah. Des enfants invisibles. Ah mais franchement, un film comme ça au cinéma. Ouais, c'est peut-être encore dans le coin, non? Ça a pas couru au loin. Mon arbalète, vite! Oh mon dieu, fais une crise d'épilepsie! Ah! Il est pailleté. Je sais pas si c'est normal. Ça brille. Oh, la coupe de cheveux. On le voit, le géant là-bas. Ah, mais ils sont deux. Vraiment un côté Half-Life qui est méga typhon. Désolé. Un ninja. Ça y est, on est revenu en mode créatif. Créativité japonaise, c'est tellement fou, c'est un délice, un régal, c'est tellement sucré. Ah, loupé. Mais c'est bon, ça remonte là, tu peux l'attraper là. C'est tellement what the fuck. Mais tellement. Il n'y a aucune logique. Vas-y, essaie de trouver une logique. Ah, moi je suis ouvert. Mais c'est beau. Ah, ça, il n'y a pas à chier, c'est beau. C'est Là, il y a un géant avec un cordon ombilical qui a popé, dont ses os, qui a une tête de fruit. Et on est mort. Bienvenue dans le jeu vidéo. T'as quoi comme PC? J'ai un... C'est un i7 8300K, je crois. 32Go de RAM, RTX 2070. Et voilà. Bon, je suis pas... Voilà. Je suis pas dans les réglages à balles, parce qu'en plus, j'ai mon Black Devil, donc ça bouffe un peu. Je suis tout sur le même ordi, là. Mais ça va, là ça tient bien. Franchement, la photo elle est jolie, hein. Tu débarques, il y a un bébé. Mais on est en train de voir un film d'auteur, les mecs, là. Un jeu vidéo d'auteur. Qui a pas de budget, normalement. Les films d'auteur n'ont pas de budget. Ah, le pétrole. Ah, c'est ça. C'est un message. Les pétroliers tueront les bébés. Et les poissons.
Jésus, amen. Il est tellement bien fait. Ah, c'est incroyable. Il y a un titre qui pop dans le ciel. Non, je suis pas en 4K là. Je suis en 720p là, ma poule. En 720 upscale en 1080. Mais c'est joli, hein, franchement, ça. Oh là là, la mort qui se. Mais Stranding, c'est quoi déjà qui s'échoue? La mort échouée? Chaud, ouais. Imagine le jeu en 4K. Moi, je sais pas. Je trouve déjà très beau là comme ça. J'ai pas besoin de plus. Alors, c'est bizarre parce qu'ils sont quand même hyper réalistes partout. Et par contre, sur les vagues, il n'y a pas de splash avec les jambes. Enfin, je sais pas si... est-ce que c'est moi qui ai oublié d'activer un truc? Je pense pas. Ah, il a perdu ses poils. Après, c'est vrai que là je suis en 720, c'est pas par choix. C'est parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre le 1080 et 720. Et que moi j'aime bien jouer en 1600x900, en fenêtré. Alors, rapatriement. Sam est un rapatrié, autrement dit, lorsqu'il meurt. Ah, j'ai pas le temps! Et je vais me faire bouffer! Ah! C'est un garçon. Clairement, ils auraient pu le filmer, hein. Même pas besoin de faire de la mocap, je veux dire, ça aurait pu être des vidéos, tout simplement. Oh. Ah, du coup, on a récupéré le bébé du mec et notre collègue, là. Jean-Claude Duss. Affiche, wallpaper, Death Stranding. Un jour, il y eut une explosion. Un souffle qui donna naissance à la vie que l'on connaît. Il a l'œil vif, le regard perçant. Et puis, arriva une autre explosion. Et celle-ci sera la dernière. On a tout fait péter. Voilà, juste parce qu'on avait décidé de prendre la bagnole. Ok, alors ce qui est un peu dommage, c'est que des fois t'as du texte. Alors faut comprendre, et c'est incompréhensible, mais c'est beau, donc ça excuse. Mais alors quand tu veux essayer de lire les trucs, ils te laissent pas le temps. On a blondi! Des poils! Ah, ils m'ont mis aux arrêts. Et c'est pas moi, C'est pas ma faute s'il y a eu une explosion nucléaire, je peux faire exprès.
Mais je veux dire, c'était une voiture atomique. Bon. Et ça pleure. Mais ça pleure. Ça pleure tout le temps. C'est les émotions. Les Japonais, tu sais, quand ils veulent mettre de l'émotion. Tiens, si on mettait de l'émotion là. Allez, bim, tu le fais pleurer. Oh, vous êtes réveillé. Alors, qu'est-ce que ça fait d'être de retour dans le monde des vivants? Ne vous en faites pas. Je suis médecin. Enfin, médecin légiste, à l'origine. Waouh! Et comment t'as fait ça? Vous m'appelez Deadman. On va dire que je connais bien les morts. Enfin, pas autant que vous. Malgré le nom que je porte, je n'ai jamais vraiment été mort. Mais c'est trop fort! Ce ne serait pas une bonne idée de faire ça. C'est pas vraiment mon domaine, mais je peux vous dire qu'elles sont là pour votre protection. Regardez. Est-ce que je suis prisonnier? Ce ne sont pas de vrais monotes. Ce sont des appareils high-tech qui nous relient tous les uns aux autres. High-tech? Ah, je vois. Eh oui, Bridges. La plus grande chance qu'il reste à l'humanité d'avoir un avenir. Ou d'éviter l'extinction, si vous préférez. Super. Où est-ce qu'on est? Quelle heure il est? Regardez bien. Essayez de l'appuyer contre votre peau. Comme ça. Détendez-vous. Ça veut seulement dire que votre corps s'est bien connecté aux monotes. Tenez. Oh. Vous voyez? C'est un gadget. Ces monotes, elles veilleront sur vous 24 heures sur 24. On sera joignable tout le temps pour vous aider, Sam. C'est pas possible. Ça fait deux jours. J'ai la carte des États-Unis, j'ai Google. Vous avez sous la main, on s'est octroyé la liberté de prélever des échantillons Google Maps sur vous. C'est trop bien. Vous êtes un rapatrié, ce qui vous rend vraiment particulier. Ouais, je suis arrivé au Galilée. Pour vivre. Il ne reste rien de la ville relais centrale. Elle a été annihilée. Game over, tout le monde. Ce n'est pas ma faute. Les deux seuls qui ont le droit de rejouer, c'est vous. Game over, c'est marqué Game over sur la carte. Et votre bébé hors service. Est-ce qu'il va bien? Il a été envoyé pour destruction. Il ne fonctionnait plus. Pourquoi le garder? On a perdu tellement de monde. Le bébé marchait plus? Oh, bah merde alors. Incinérateur mortuaire. Mais mon équipe. Bah après, c'est un bébé, ça marche pas. Vredefort tout entière. Tous ceux qui se trouvaient à la ville relais centrale. Actuellement, on est dans la base de la capitale relais. Mais je devrais dire, dans notre nouveau siège. Sudbury s'est imposé comme le meilleur des choix. Mais l'équipe d'implémentation s'est fait entièrement décimer. Et attention, un nouveau survivant aux portes de la Brie. Merci pour ton follow, Mito. 56, 89, 86, 89, 68, 59, 6. Enfin, bienvenue à toi. Le directeur ainsi que son équipe étaient en déplacement à ce moment-là. Donc la chaîne de commandement n'en a pas été affectée. Ça m'ennuie de vous demander ça si tôt, mais j'ai une mission pour vous. Oh. Cette main négative, vous l'avez depuis votre rapatriement? Et cette autre marque, elle vient d'où? D'une femme tactile, dans une grotte. Une femme tactile? Elle était un peu trop tactile. Je l'ai défoncée. Afin une phosmophobie. Hein. Pas étonnant que vous alliez tout seul dehors. Personne ne peut vous toucher. J'ai soif, ce jeu. Je tâcherai de faire plus attention, Sam. Donc, la mission est une livraison urgente. Il va falloir que vous apportiez de la morphine à la présidente. Quelle présidente? Carrément. Il n'y a plus d'Amérique. Vous voulez parler de la mer de Centrale? Non, pas la mer, Sam. L'Amérique est bel et bien vivante. Notre présidente est atteinte d'un cancer en phase terminale. Son état est critique, mais il nous reste du temps. Pourquoi à moi? Écoutez, parce que tu es le héros. Tu es Norman Reedus, voyons. Je vous demande et vous verrez que tout s'expliquera. Vous avez qu'à le faire.
Vous avez la forme, non ? Je ne suis pas vraiment là. Tu es un fantôme ? C'est ça ? Toutes mes excuses. Ce que vous voyez n'est qu'un chiralgramme. Un chiralgramme, bien sûr. J'ai les yeux qui pleurent. C'est une réaction allergique à la transmission. Tout le monde pleure dans ce jeu. Je me trouve actuellement dans le grand bâtiment triangulaire dans le service d'isolement. Ah, la morphine que vous devez livrer. Vous êtes officiellement... Comment rendre quelque chose qui est censé démontrer de l'émotion complètement inintéressant à souhait maintenant à chaque fois que tu vas le voir? Pour tout vous dire, Sam, la dernière présidente des États-Unis demande à vous voir en personne. Est-ce que vous comptez vraiment lui refuser ça? Oh, il a un attrape-rêve. Petite dédicace aux Indiens. Ah, c'est bien, il a les marques des sangles de ses paquets qu'il porte sur les épaules. Ça, c'est bien vu, ça. Bonne décision. J'attends donc votre arrivée au service d'isolement. Donc nous devons... Oh, il s'est tué, il s'est suicidé. Il s'est tiré une balle dans la tête. C'est bon, vous avez accepté la mission. Je m'auto-détruis dans 5 secondes. Pouf. Voilà. Une mission, un agent. Lancement du scan. Scan de l'hydrogène. Oh là là, c'est trop bien. Les amis. Accès autorisé. Accès autorisé. Nombre de biens suffisant pour la commande livraison de morphine. Quoi ? C'est parce que je l'ai posé au sol. Bon, et c'est trop bien, c'est Half-Life 8. Porteur Bridges. Transport de morphine jusqu'au service d'isolement pour administration immédiate à la présidente. Ok, merci. Je peux parler ? C'est bon ? Je peux parler ? Je peux en placer une ? Merci ! Hein, Guillermo del Toro ? Donc, fin de ce premier épisode. Qui, moi j'adore, franchement j'adore, et le fait que ça soit japonais et sur-créatif, sur-artistique, sur-débile, je trouve ça génial, c'est le futur du jeu vidéo. C'est génial, et c'est ce qui manquait dans les jeux vidéo. C'est un jeu génial comme ça. Allez les amis, suite au prochain coup, les bisous et à la prochaine avec Sam Porter alias Norman Reedus.